ce qu'on a fait là. Oui, on terminera cet après-midi. Ouais. Qui a pris le bijou? Quoi? Non, les filles, sérieux. On est bien les derniers alors, on est la seule. Bah, oui. Enfin, je ne peux pas être dans le monde, c'est comme beaucoup. Mais je suis sûr, c'est toi qui l'as pris. Non. Il était là. Moi aussi. Rendez-le nous. Non, les filles, sérieux. Mais c'est pas nous. Bonjour, je suis Edouard de Coligny. Je suis historien. Je vais vous parler de quelque chose de très, très intéressant. Les bijoux célèbres. Certains bijoux, certaines pierres ont traversé les âges, tels que l'Orloff, le Cullinan ou le Black Prince Ruby. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de bijoux qui sont considérés comme maudits. Commençons par le Koh-i-Noor, qui est actuellement monté sur la couronne de la famille royale britannique. Son origine est inconnue. La malédiction daterait du XIIe siècle où un homme tente de voler le diamant qui ornait le troisième œil du dieu Shiva, qui foudroie aussitôt le malheureux au pied de la statue, puis jette un sort à l'encontre de tout homme qui tenterait de posséder cette pierre fabuleuse. Et depuis ce jour, tous les propriétaires moururent dans d'abominables circonstances. Passons au diamant Hope. Originaire des Indes, il est dérobé dans un temple où il ornait la déesse Sita. La pierre lui servit d'œil. Plus tard, il est récupéré par Jean-Baptiste Tavernier lors de l'un de ses voyages en Inde. A son retour en France, il vend le diamant à Louis XIV, qui le fit tailler. Il fut alors nommé le Bleu de France. C'est à cette époque que la malédiction commence. De nombreuses personnes sont touchées, à commencer par Jean-Baptiste Tavernier, ou encore Evaline Walsh MacLean, qui, après avoir obtenu la pierre, perdit ses deux fils, l'un se suicida, l'autre se fit écraser devant elle. Puis elle perdit sa fortune et son mari. Le dernier bijou dont je vous parlerai est l'amulette d'Anubis. Les premiers écrits datent de l'Égypte d'où elle est originaire, en -1290 avant Jésus-Christ, lorsqu'une femme dérobe l'amulette dans un tombeau. Après cela, elle est condamnée à mort. L'histoire se déroule à Saqqara en Égypte. Par la suite, l'amulette disparut et réapparut à de nombreuses reprises dans l'histoire, faisant à chaque fois des victimes et des disparus. La dernière fois qu'elle a été trouvée, c'était dans des fouilles égyptiennes dans les années 50. Voilà ce qui conclut mon thème sur les bijoux maudits.